cette véritable mer intérieure est traversée en son centre par la frontière franco-suisse. Ces pentes exposées au soleil ont poussé les hommes à s'y installer depuis toujours. Ils ont façonné entre Lausanne et Montreux un des paysages les plus spectaculaires de la Suisse, le vignoble de Lavaux, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. Au XIe siècle, des moines aménagent ces pentes pour développer le vignoble. Ils construisent des kilomètres de murets. François Murisier est expert en viticulture auprès de la confrérie des vignerons de Lavaux. Depuis le Moyen Âge, elle veille à la qualité de la culture du vignoble. Pour faire durer un vignoble comme ça, qui est quand même très difficile à travailler, ça coûte très cher. Donc on aura tendance à diminuer les soins à la vigne pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a ce souci de la confrérie et des propriétaires pour dire on assure la durabilité grâce à une conduite bien faite de la vigne. François et un vigneron viennent aujourd'hui contrôler des parcelles. Ils vérifient l'entretien des sols et la santé de la vigne pour s'assurer que l'exploitant travaille correctement. Les premières fois, je pense que c'est peut-être la feuille un peu déformée. Mais la coloration de feuillage qui est bien, le placement a été fait. Donc je pense que c'est 6. Ces visites, trois fois par année, c'est pour assurer le propriétaire, ici, la ville de Lausanne, qui va recevoir le résultat dans les jours à venir. Il regarde les notes, il dit « Ouh là là, j'ai un problème avec mon vigneron cette année, je ne sais pas ce qu'il a eu, il n'a pas travaillé correctement. » Ou bien, il est très content, donc on peut être garanti que la récolte sera bonne et qu'on va conduire le millésime correctement. C'est extraordinaire de voir qu'à l'époque, on organisait quasiment une petite procession avec tambour, drapeau, pour aller montrer à toute la population qu'il y avait des vignes mal travaillées. Aujourd'hui, on est plus positif, on va faire des fêtes pour primer les meilleurs. Cette pratique de la confrérie permet de préserver ce vignoble au microclimat exceptionnel. On parle facilement ici des trois soleils, celui qui nous arrive directement sur le sol, celui qui est réfléchi du lac, c'est une lumière qui nous arrive, et puis alors l'absorption des rayons solaires sur les murs, cette chaleur va être redonnée à la vigne durant la nuit, donc cette idée des trois soleils qui est un joli terme pour qualifier ce vignoble aux trois soleils.